Un pain. Juste un pain. Un autre pain. Toujours un pain. Un pain pour aller dans un gosier. Un pain. Encore un pain. Un pain. Un pain. Les prélèvements sont faits au niveau des racines du riz avec précaution de sorte à éviter la contamination avec d'autres origines bactériennes. Malo n'a pas prison nous fait. Malo déjà malo est balo les cadeaux. Au bout du monde lequel malo a dit paye a dit prison fan a été. Malo ne fan a nous y a du monde. Au fond la journa. Au bout du monde toto journa. Une fois les échantillons prélevés sur le terrain, les échantillons sont ramenés au laboratoire pour subir une série de traitements qui vont nous permettre de les étaler sur milieu de culture afin d'isoler les bactéries racinaires du riz. Ces bactéries subiront une série de tests afin de déterminer les bactéries bénéfiques qui pourront par la suite être réintroduites dans les plants de riz en serre. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, ils sont rares, mais on en a trouvé un. Il existe bien des bactéries qui sont des ennemis du riz que des bactéries qui sont des amis du riz. Des séries de tests au laboratoire nous ont permis d'identifier des bactéries à effet bénéfique que nous allons tester au niveau de la serre afin de voir le comportement des plants par rapport aux bactéries identifiées au laboratoire. Ici, vous avez des plants qui sont inoculés par des bactéries bénéfiques et là, des plants non inoculés par des bactéries. Vous voyez là la croissance des plants inoculés par des bactéries bénéfiques par rapport aux plants non inoculés. Vous voyez bien l'impact des bactéries bénéfiques sur la croissance des plants. En termes de politique, c'est vrai que des efforts sont faits. Actuellement, l'État a compris qu'il est important que le Burkina essaie de s'autosuffire en riz. Actuellement, la politique, c'est l'objectif de production de 1 million de tonnes qui a été lancé par le président de Faso. Notre objectif est de comprendre le rôle des bactéries associées aux racines de riz dans la croissance et la résistance aux maladies afin de proposer des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Quand les efforts sont couronnés de succès, un seul sentiment nous anime, la joie. Et on peut en être fier. Africains sont le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer.